Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shadow Gambit. On se retrouve comme prévu pour faire les missions de Sulady, la médecin de bord. Et on est parti avec la graine de couverture qui nous permet après de créer un buisson. Fort pratique. Donc on peut créer un buisson à n'importe quel endroit, ça peut servir de couverture, on peut aussi s'en servir pour directement cacher les corps. Et on peut avoir qu'un seul buisson en même temps, ce qui n'est pas illogique, c'est suffisamment pété comme ça. Elle a également une attaque qui est très rapide, hein. On peut tuer en 2,5 secondes alors que la plupart sont en 3, avec un petit rayon sonore. Donc ça c'est plutôt cool. On va donc voir un petit peu ce qu'on nous propose. Alors utiliser graines de couverture pour créer un buisson qui servira de couverture pour passer à côté de l'ennemi sans être détecté. Ah, et ça les attire si on le crée dans leur champ de vision, d'accord. Oui, il y a quand même une certaine logique. Quoi. Par contre, c'est bizarre qu'ils viennent pas, mais bon. Admettons. On va se baisser par contre. Ok, ça c'est fait. On peut aller le tuer si on le souhaite, mais c'est pas le sujet. Progressons. S'il y a plein de cadavres. Making bodies disappear, that's the tricky part. Alors, donc on peut créer un buisson directement pour faire disparaître les corps. Ça, parfait. On est d'accord, on peut se cacher dedans. Oui, tout à fait. Alors, utiliser graines de couverture pour créer des points d'entrée dans les zones surveillées par les gardes. Ah oui, c'est vrai que vu que du coup, on peut lancer en cloche le garde qui normalement nous verrait dès qu'on sort, on peut avoir les buissons. Parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits dans les missions où on voit que il y a des buissons juste en haut des montées ou juste en bas des montées pour pouvoir se cacher. Mais c'est pas forcément tout le temps le cas, quoi. Et là, du coup, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut récupérer des trucs sans les tuer si on souhaite. Par contre, si je fais ça, il va me voir. Hein. Cela dit, il va me voir quand même. On peut se barrer en étant tout à fait discret. Alors, du coup, lui, il voit. Quoi donc? Jusque là. Let the leaves cover all. Swift shrub coming through. Ah, et le buisson qui apparaît, ça les perturbe pas forcément. Ce qui les perturbe, c'est si le buisson apparaît devant eux. Cover seeds. Là, par exemple, il va s'en foutre. It's all in the roots. I do like this so far. J'aime bien ce personnage, il va être bien discret, je sens. Elle, en l'occurrence, discrète. Ok. Les graines de couverture, c'est fait. Voyons la poudre d'escampelle, parce que ça, j'ai un peu plus de mal à voir comment ça va être utile, surtout toute seule. Encore dans le cas d'une embuscade, pour envoyer les ennemis vers un autre, pourquoi pas. Après la question c'est est-ce que... Ouais, j'imagine qu'au bout d'un moment ils doivent revenir. On va vérifier mais à mon avis ils doivent forcément revenir à leur position d'origine. Qu'est-ce qu'on dit là? Je voulais juste voir la... J'ai fermé parce que je voulais voir la discussion qu'elle avait lancée. Donc on peut lancer... Forcer un garde à faire demi-tour et s'éloigner. D'accord, et donc du coup tu lui jetterais ça dessus et il fait demi-tour. Je pense qu'on va tester, mais ça me paraît, pour être sûr, je vais profiter du... Voilà, je vais profiter qu'on est dans le tuto, vérifier qu'est-ce qui se passe une fois que la jauge est terminée. Est-ce qu'il revient?
Et est-ce que ça remarche? Ok, donc il revient à sa place, logique. Et du coup, contrairement à la tête, ça repue donc. Il le revoit. Ça remarche et il se réenfuit, on va dire. No cover? Easy fix. Let's cover this. Voilà, ça c'est fait. What? Are you crazy? Watch me go. Ha! Works even better than expected. I'll just note down some ideas for the next formula. Et donc ici pareil. Là, il le voit, on le fait partir et on peut le tuer. J'imagine que ça va être l'idée, mais par contre, comment faire pour arriver derrière lui? Oui, on le suit et... Ouais, ok. C'est vrai que c'est long. C'est vrai que ça dure quand même un bon moment. Petite sauvegarde. Et du coup, est-ce que je suis obligé de lui jeter dessus, hein, des fois que je sois un jour en dèche? C'est quoi le problème? Tu peux pas le jeter sur lui? Pourquoi? Parce que t'as un mauvais angle? Oh, ok, d'accord. Parce que c'est juste parce que j'avais un mauvais angle. Tu fais quoi? Il faut le jeter vraiment sur quelqu'un, on dirait. Là, j'ai l'impression que juste elle pouvait pas le jeter. Ouais, on a une estimation, d'accord. Donc, ok, il faut vraiment le jeter sur quelqu'un. Accélère. Strange soul pattern. Ok. Let the leaves cover all. We wanna hide, yeah? Il y a un squelette en or là. Incoming. Bon, on peut faire le tour pour le contourner lui. C'est pas trop un problème a priori. Let me just take notes on that one. Et la porte est juste dans son dos en plus. I do like this so far. Hop là. Mine. Le petit vol à la tire. Et ciao bello. Parfait, on va faire le défi alors. On va voir ce qui nous attend. Alors, on va lire le texte, mais j'imagine que c'est comme d'hab. Il y a un défi, ok, très bien. Alors, on peut passer par là ou passer par là. Ah, lui, il fait son trajet dans les deux sens, donc du coup. Le plus logique, parce que là, du coup, il nous voit. C'est qu'il faut qu'on crée une plante ici, sur le chemin. Bon, déjà on va se baisser. Ok, je pense que je vois. Je crée une plante sur le chemin pour que l'autre ne me voit pas passer en étant accroupi. On l'éloigne. On peut le buter et après on peut buter l'autre. Pousse-toi parce que quand il va se tourner... Ouais, ok, c'est bon. Hiding spot coming up. Bush. Goes from the air. Burn it later. This plan's growing on. Nice little stroll. I'm not doing that. Qu'est-ce que tu fais? Tu le? Well. One less to worry about. Up, up we go. Ah ouais, il va me marcher dessus, non? Comment ça se passe? Je fais l'essai, hein. Ouais, il me marche dessus. Ok, très bien. Ça me permet de tester. Donc si on met un buisson sur le chemin des mecs, potentiellement il nous marche dessus. Ça, c'est intéressant. Ce qui veut dire qu'il faudra que je crée probablement un buisson là pour que il revienne. Le buisson. Hop là. The flame guides me this one. Three little cuts. Next patient. Swift shrub coming through. Voilà, maintenant il peut revenir, il nous verra pas. On va devoir faire la même manip de l'autre côté du coup pour l'éliminer. Donc on va voir là s'il s'excite. Parce que s'il quitte la vue de celui-là. Ok, c'est juste le défi. Il est quand même, il se pose quand même question. Report. Your task demands it. Hello, I'm waiting. Treatment's ready. You hear?
I'll trim their numbers. Take it. Ok, parfait. Ça c'est fait. Je vais vous lancer un petit buisson parce qu'il y a probablement un succès ou un truc du style. Et on fait le tour pour aller terminer le coco. I know right where to cut. Kill the body, free the soul. Watch me go. We wanna hide, yeah? Et du coup, on peut passer là. Capturer un souvenir, ouais, pas de souci. You never cease to amaze. Next. Working on it. Un qui regarde là, un qui regarde là, l'autre au milieu, un ici. Intéressant. Pas d'autre caché, pas d'autre en haut là, non. Et donc normalement, si on essaye de faire ça sur lui, on a un angle mort genre là, là. Mais si on essaie de le lancer sur lui, je vais vérifier, hein, mais il me semble que... As many as you like. Hop, 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 tu fais quoi? Wanna go somewhere else? I won't go there. Non, voilà, c'est ça. Eux, ils bougent pas. Ok. Mais par contre, lui, on pourrait l'envoyer probablement là-bas, refaire le tour, l'éliminer. Si on arrive à l'envoyer jusque derrière, non, il va se poser là. Zut, on n'a pas un bon angle. Hiding spot coming up. It's all in the room. Strange. Ah, où? Le salaud. They forget we le remember. Salaud, il m'a vu. Oh, this is fascinating. Toi, tu vois jusque là-bas. Toi, tu vois jusque là-bas. Celui qui est quand même le moins couvert, c'est lui, hein. Là, il n'y a pas d'angle mort. J'ai l'impression que le seul vrai angle mort, il est par là-bas parce que là, il voit pas, mais c'est surveillé par lui. Ou alors comme ça, si on arrive à l'envoyer là. Incoming. Sachant que là déjà l'autre il voit largement loin. Et lui du coup il doit voir. Il faudrait qu'on l'envoie quand même avec un sacré angle. It'll grow real fast. All right. Comme ça. Ah, souls from the ground. Là il nous voit là, ouais. Mais on en sera dans le buisson. This plan's growing on me. Ouf, c'était juste. Ok, une petite sauvegarde. Interesting choice, et du coup là, je peux l'envoyer derrière dans un angle mort. Mais il faut pas que je traîne. On it. Too many weeds here. Ok, c'était strange soul pattern. Histoire de courir quoi, mais c'est passé. It's all in the roots. Donc on a éliminé un garde. Parfait. Maintenant, eux ils se couvrent les uns les autres. Et je vois pas trop comment on pourrait faire. On peut tester un truc rigolo. On peut le lancer jusqu'à où ce truc? Ah et je peux pas le faire si près de lui, dommage. Je me disais je peux lancer le buisson derrière lui et aller lui piquer la clé. Mais non, ça marchera pas. Je peux pas le lancer assez près. Alors, comment on peut faire ça? On peut les faire que s'éloigner. Mais je peux faire s'éloigner lui, si j'ai envie. C'est quoi la portée de ce truc? C'est assez élevé, hein. Donc ouais, je peux faire s'éloigner lui et tuer lui pendant que il regarde pas. Sachant que là, c'est dans l'angle mort. Ouais. Donc il faudra que j'ai genre... un truc ici. Hop, et du coup maintenant que c'est fait, on peut se faufiler derrière, il nous voit pas accroupi. Walking is good for you. Ah yes. I'll turn their number. I'll take that, thank you. Up, up we go. Let me return to my post. Hop là. Et là, eh ben il y a plus personne. On peut faire à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire que là, on va poser un buisson pour se faufiler. Let's send you away. Ok, il me le faut à peu près là, ça serait pas mal. Toc. On va le faire reculer pour que
Il nous voit pas et on se tire. Ok, pas mal, pas mal, bien joué. Hop là. Le défi s'est réussi. Well done, ship doctor. Now, I'm sure you'd like to inspect the riddle hold. Alors, on va faire sa petite This plan's growing on me. Son petit rituel. Alors du coup, il nous en manque plus qu'un alors qu'on a encore plein de persos à ressusciter. So lady. I here to travel the cursed seas, discover strange new ailments and unearth the secrets of the soul. Allez, on a deux reliques en plus, on est bien. I'd say I did that right. Now, if you don't mind, I have a sick bay waiting and experiments to run. Bye. Elle irait bien avec Vignée Froid, elle, hein. Ok, donc maintenant il va falloir qu'on fasse des nouvelles missions pour récupérer de l'énergie et compagnie. What do we have here? Alors, c'est... on peut parler avec elle. Now we're getting somewhere. Need something, maybe? Allons-y. C'est la même discussion qu'on a eue déjà. So how did you become the Marley's ship doctor? You could say I grew into the role. Not having any of that, eh? Oh well. I came on board right after I broke into the library of Soulspire Academy. Didn't really get along with the big heads there, so I took what I could and legged it. The Marley happened to be in port, so I snuck on board and hid below deck. In my experience, one does not sneak onto a ghost ship undetected. I came prepared. Soul masking leaves, entrancing pollen, managed to hide for weeks down there, even from Estelle. Were you found in the end? Nope. One night, I snuck up on deck for fresh air. I saw a skelly, cracks, and dark spots all over it. Recognized it at once. Black brine. Lethal sickness even for the undead. Half the crew were already infected. I knew I could cure it, but not without giving myself away. So I snuck into Mordecai's cabin, sat on his chest, put a blade to his throat, and made him an offer. I would cure his crew if he let me stay on board. He had a good laugh right there. Told me if I could fix his crew, he'd make me a ship doctor. That's one hell of a job interview. Quick and sharp, just how I like it. C'est ce qu'on appelle être discret. Alors, toi du coup, tu pouvais parler avec le Marley. Viens parler avec le Marley, petite. Discuter. Ah, my soul surgeon and keeper of the plants. Hi, Marley. How did things hold up while I was powerless? I must inform you that both crew and plant health have greatly deteriorated in your absence. No surprises there. Otherwise, we wouldn't need a ship doctor in the first place. I always assumed a good doctor aims to make herself obsolete. Not on this bloody ship. Without me, the crew would literally fall apart. Gonna have to figure out a way to make the skellies more robust. First of all, I'm gonna do an extra round of checkups on the entire crew. Good idea. There have been a few new arrivals. Best check on them right away. Nuh-uh. This is going to include you as well, and you know it. Why don't I start with you first? Gladly. Though I'm just noticing that the tarantula palms in the sick bay are minutes away from dying. I told you, you can't... Wait, my tarantula palms? They took me ages to cultivate. I gotta run. On dirait que j'ai oublié, mais elle aussi, elle peut, lui aussi, il peut parler à Marley. Parce qu'il avait l'air d'avoir une petite étoile tout à l'heure, mais on l'a peut-être déjà fait. Quaggin Albus, resident treasure hunter and full-time treasure hoarder, reporting back for duty. Greetings, treasure hunter. Non, j'ai pas souvenir. It's good you're back. Our treasury has become dangerously empty. Your treasury, Marley. My chest is still sufficiently filled, I assure you. Be that as it may,
I will remind you of the terms the captain has bartered with you. Yeah, yeah, yeah. Half a share for me of all the gold I find, plus what I fish from the sea. I've never been dragged across a table so thoroughly. He could barter, the old black eye. Speaking of your own treasures, I've noticed some of the skeleton crew with suspicious-looking accessories. Ah, yeah. Thank you for reminding me. I've lent some of them a few of mine. Now, it's high time I go and collect the interest. See you around. Ok. Du coup, on pourrait avancer des histoires d'équipage. J'en serais bien celle de Quentin, hein, je suis assez curieux de voir. Sa première étape, c'est d'aller parler à Afia. C'est parti. Les malédictions manquantes. Qu'est-ce donc que ceci ? Navigator, a moment of your valued time, please. Sure, Quentin. Have you thought about my offer? Offer? What offer? When you first brought me back, I showed interest in the sword stuck in your ribs. I will pay you well. You're serious? That sword is not for sale. Ah, if there's one thing my father taught me, it's that if anything is not for sale, it's up for trade. If there's nothing else in this conversation, I think I got somewhere to be. See ya. No, wait. What about your hat, then? Surely it isn't as sacred as that sword. No, of course not, but... That's what I thought. You know, I've got a great piece of ornate rope here I'd like to... Wait a minute. Some of my curses are missing. Damn it! It's gone, too! Curses? You're saying that rope was cursed? Wow, aren't we all? Unfortunately, I don't have time to clarify. Oh, l'escroc. Maybe one of the skeletons got their hands on my stuff. Wouldn't know how, but it never hurts to check. Let's see if any one of them is acting strangely. Ils sont en train de chanter, de danser les squelettes là. Diamonds, rubies, emeralds. Tide. Ah, yes! That is a devious little rope. The ornaments are beautiful, but it does have a tendency to entangle its proprietor. Good to have it back, but still not what I was looking for the most. Now, my skeletal friend, where did you get this? Rope. Ah! I'll have to ask the Marley if I want to find out more. Trop classe le squelette avec des tatouages, quoi. Finders keepers, right? Marley? Quentin, what is it you want to buy from me this time? No, nothing. At the moment, I'm content with what I have. Or would be. You see, some of my belongings are unfortunately absent from my chest. Are these belongings perchance cursed and or extremely dangerous? You know, I'd argue that mostly depends on who handles them and in what circumstances. So, yes. Yes. On both accounts. One of the skeletons was already entangled in a particularly nasty rope of mine. Do you think they could have pried my chest open? No. I would be aware if they put their collective mind to such an effort. Yeah. Ordinarily, piles of bones can't open my chest anyway. I'll keep my tendrils out for these items. Come back to me another time. I will. Thanks, Marley. Well, not much to do for now. Let's hope that Marley finds something before more Qu'est-ce damage qu'il a is done. Perdu, quoi. If there is value, it's mine. Qu'est-ce qu'il a perdu, bon sang? What's in it for me? On peut tuer les squelettes. Ah oui, c'est vrai qu'il a dit qu'on pouvait s'entraîner, mais qu'on peut pas les, on peut pas les tuer en vrai. Ok, on peut plus faire d'étapes, donc on va aller voir un petit peu les missions. Il nous reste la baie de fer. On a une relique et de l'énergie et une perle, donc de nuit ou de jour. Et ben, je pense qu'on va lancer la perle.
Alors, on va lancer la perle, mais avant, on va regarder un truc, parce que j'ai vu que depuis la sortie, on était en légendaire, bien sûr, ça n'a pas changé, mais ils ont rajouté une petite option qui fait qu'on peut changer le pourcentage d'ennemis, et ce truc-là ne change pas le légendaire, en fait. Tous les autres trucs que je change passent en personnalisé. Par contre, là, on peut être en légendaire avec ce truc-là, et quand j'ai démarré la partie avec la version finale, la version release, et ben on était comme ça, donc je vais repasser sur ça. J'ai fait des essais sur des missions pour voir, et c'est vrai que ça rajoute quand même pas mal de monde. Donc on va partir là-dessus pour pouvoir profiter au maximum du jeu. Et je pense qu'on va pas lancer la mission là, on va arrêter la mission là, on fera la sauvée du gouffre la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde!